Bonjour et bienvenue pour ce 10e épisode du Ekreme Challenge. C'est la série dans laquelle on joue que Ekreme. C'est compliqué hein, quand même comme nom. Alors, nouvelle Ekreme, puisque on a vaincu un dominant. Faites place à Patricia, qui est de niveau 25. Je disais de la merde la dernière fois, il n'est pas niveau 30, elle est niveau 25. Elle est en chronoball. Elle est de nature elle est prudente, et oui, elle fait attention. Donc moins défense, plus défense spéciale, moins attaque spéciale. On a coup de boule. Coup de boule comme en 2006. Tête de fer, psy coup de boule et piège du rock. Donc Patricia elle met des coups de tête hein, comme le chantait Faflarage il y a quelques années. Nature, talent que roller. Bon j'ai mis le norme basilite mais ça évidemment ça peut changer. Piège du rock, oui. L'attaque de statue de ce crémeux c'est piège de rock. Ça peut servir dans les combats avec, enfin dans les combats contre les dresseurs qui ont beaucoup de Pokémon. Patricia, s'il y a bien un écrémeux qu'il faut pas perdre, si on va jusqu'à la ligue, je pense que c'est bien Patricia. Parce que piège de rock, à la ligue, c'est juste magnifique, quoi. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, dans l'aventure, avoir piège de rock dans l'aventure. Bon, après, alors oui, j'ai un petit truc dans les cheveux. Dans Ultra Soleil, Ultra Lune, enfin dans Soleil et Lune, enfin dans la CLG, on va dire. Piège de rock dans l'aventure, c'est pas si ouf que ça, parce que, comme je le dis à chaque fois, il y a plein de dresseurs qui ont qu'un seul Pokémon. Mais la ligue, c'est différent. Du coup, on va essayer de mettre un maximum de coups de tête avec Patricia. Si on pouvait, j'allais dire trouver la roche royale, mais non, parce que la roche royale n'augmente les chances de flinch que des attaques qui n'ont pas déjà des chances de flinch. Donc ça sert à rien. Mais en tout cas, il y a moyen qu'on fasse des flinch à tire-larigot avec notre amie Patricia, cinquième membre de l'équipe, mais bon, sixième écrémo qu'on a récupéré. Les top pickers ont de la chance d'avoir un tunnel à leur nom, moi aussi j'en voudrais un. Et moi donc, le tunnel Harry. Pourquoi pas. Pour l'année 2018 peut-être. Qui approche. C'est un Osferapti, oh mon dieu. Quelle surprise de voir un Osferapti dans une grotte. Bah oui, hein. On va faire petit coup de boule, on inaugure. C'est logique. On ne loupe pas. Incroyable. Ça c'est fou ça. Je fais petit coup de boule et je loupe pas. J'ai connu des moments dans ma vie où ça se passait pas comme ça. 2015, une belle année. J'ai pas de repousse. Ouais, je vais mettre un motif camouflage. Salut. Bonjour, je m'appelle. Ah mais non, on l'a déjà rencontré. On l'a déjà rencontré. J'allais dire bonjour, je m'appelle Alix. Mais non. En mode, je devine les dialogues. Et du coup, pas du tout. On s'en fout des topiqueurs en fait. On va... merde c'est... Oui c'est dans le sac, putain je suis perdu. Mais perdu de ouf quoi. Moti camouflage. Compte sur Motis moi. Oui. Vous rencontrerez moins de Pokémon sauvage. Attends, moins ou pas? C'est pas pareil hein. Attends, ça je sais que c'est une pierre feu qu'il y a là. Voilà. Et ça, ça se revend. Donc pourquoi pas. Ah c'est bien, c'est travailler le bruit métallique quand on court dans les escaliers. Oh c'est bien réalisé. Hein. Bonjour. Nous sommes des scientifiques. Nous faisons des recherches. Les topiqueurs sont menacés. Il faut les protéger. Voilà. Vous savez tout. Hyper potion, pas mal. C'est propre. Et là, nous avons. Voilà. Des combats contre des sbires Team Skull aux côtés de Tilly, le dresseur. Et c'est le premier combat multi. Si. Oui, c'est sûr. Il y a eu deux combats duo. Très proches l'un de l'autre. Juste avant et juste après Gladio. Enfin, juste avant et juste après le premier combat contre Gladio, je devrais plutôt dire. Et là, c'est le premier combat multi. Ils ont des noms originaux, hein. Ils s'appellent Sbire et Sbire. Ok. Tritox et Abo. Je me souvenais pas du tout, hein. Evoli. Ah, je me souvenais pas qu'ils combattaient avec Evoli. Allez, mono normal contre mono poison. On va encore faire le petit coup de boule, hein. On va le faire sur Abo, parce que Tritox est plus fragile, donc pour Evoli...
C'est mieux théoriquement. Wouah, niveau 27 déjà. La flamèche, c'est pour. C'est pour ma gueule, évidemment, hein. Mort sûr. Mais fais un stab. Réfléchis. En plus, je suis sûr de ta adaptabilité. Fais un stab, gros. C'est logique. Bon. Le coup de boule qui aurait suffi à lui tout seul, à mon avis. Allez, le niveau 25. Alors oui, c'est vrai que niveau expérience, c'est sûr que je me mets bien. Puisque hein, j'ai le bonus d'expérience des Pokémon échangés. Et je crois, mais ça je suis pas sûr, que j'ai le bonus d'expérience des Pokémon d'une nationalité différente. Ah non, quoique non, non, ça je l'ai pas. Ça je l'ai pas. Non, non, ils sont France, Basse-Normandie, mes Pokémon. Donc ça, ça peut pas changer. Je sais pas si en fonction de la région, enfin de la région et de la sous-région, parce qu'au final c'est pays et région derrière. Je sais pas si. Si ça change quelque chose la sous-région. Je pense pas, à mon avis. Ça paraît un peu exagéré. Attendez. On va pas. Ah bah non, tout le monde est au niveau 25 là. Ah bah du coup, on laisse Patricia en tête de l'équipe. Ah bah oui, non, mais dans ce cas-là. Forcément. Par contre, Motisma, tu fais un peu la gueule là. C'est sérieux. Ah, parfait, le Motisma Gogo. Toujours profiter du Motisma Gogo, hein. Moi, je le savais pas que j'ai fait de let's play. Et du coup, j'ai laissé Motisma faire la gueule comme ça pendant, pendant des années, quoi. Moti Appa. Alors, c'est le contraire de ce que je veux, mais je souligne ta bonne volonté. Et là, Belladonis nous donne une pierre foudre. Et c'est encore un dialogue poignant. Très bien, merci. Allez, on y va. Allez, allez, s'il te plaît. Voilà. Merci. Partons. Ok. Non, je ne veux pas utiliser d'autres motifs Mora. Oui, vas-y. Oh, monsieur l'agent. Montrez-moi votre grande matraque. Oui. Oh, tu vas voir, j'ai de belles Pokéballs. Christophe le policier. Bonjour, Chris. Bon chien. Est-ce qu'il y a intimidation, je pense. Et la peur du bleu. La peur du policier. Allez, coup de boule. C'est toi qui vas avoir peur, tu vas avoir... On va te flinch. Boum. Pas du tout. Malgré tout... Non mais, rengorgement, c'est mode Super Saiyan, quoi. Hein. Ou Kaioken, plutôt, vu la couleur. Bah vas-y, hein, recoup de boule. Hein. Oh! Magnifique! Et là, on flinche. Vous rendez compte? Je dis qu'il va se passer un truc. Et il se passe un truc! Ah, c'est plus que... Enfin, je suis aligné avec les astres, c'est pour ça. Je peux prévoir l'avenir. Là, je prévois qu'on va rentrer dans une ville appelée Koni-Koni. Ah, c'est bien la ville de Koni-Koni. Ah bah, Mesmer n'a qu'à bien se tenir. Hein. Oui. Kadozo et Tarinorm qui sont, on le sait, les meilleurs amis du monde. Attendez. Ouais, mais attends. Oui, je veux un massage. Ouais. Offre un massage Lomi Lomi avec Crémeux. Le massage est terminé. Il a l'air fou de joie. Voilà qui va faire beaucoup de bien à votre amitié. Oh, merci beaucoup. Ah, attendez, les vêtements. Alors, les cheveux, je change pas. Les cheveux, je considère qu'ils sont optimisés. Pour mon look... ça veut rien dire, hein, mais... Mon look... paysan. Non. Ah, ça fait petite maison dans la prairie.
Ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien aussi, hein. C'est même très très bien, hein. Vas-y, on fait ça. On fait ça. Non mais les petits shorts comme ça, c'est pas... C'est pas logique, hein. Oh, oh, on est crédible là. Bon, les chaussures vont pas avec par contre, hein. Ah, j'ai pas l'argent. Ah merde. Ah merde. Ah le con. Bon, c'est pas grave. On fera ça une autre fois, mais... Mais il faut que je retourne à Konikoni pour parfaire ma tenue. C'est extrêmement important, hein. On rappelle qu'on est en Nuzlocke. Et c'est pas comme si les Pokédollars servaient à acheter des objets de soins. Bonjour. Et là, c'est le dialogue chiant avec Tarinorm. Si vous trouvez une occupation qui dure à peu près 30 secondes, vous pouvez la faire à chaque fois, hein, qu'il y a un dialogue chiant. Une potion? Oh là là! Potion max, ok. Tari tari, d'accord, c'est formidable. Partons. Et rejoignons... ah, attendez, on va combattre... comment ça s'appelle Apocine. Mon dieu, le jeu qui rame du fion. Juste parce que je suis sur le dos de Tauros, quoi. C'est assez terrible ce qui se produit. Oui, il ne faut pas passer par là. Ah, mais on peut faire quelques combats avant. Attends, oula, pardon. Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est? Pépite. Pas du tout. Run purifiante. Ah, en vrai, c'est pas inutile, hein. Attendez, lui, il rapporte masse Pokédollar. C'est un vieux, quoi. Enfin, non, je voulais pas être méprisant, mais disons que c'est une personne âgée, voilà. Et je voulais faire vite. Fouille. Oh non! Ce Brocélum sauvage sait que mon écrémé porte la norme azélite. Mon dieu, je suis dans une situation complexe. Salut. Je me tâte à aller visiter les ruines de l'éveil, mais tout d'abord en garde. D'accord. Des gens qui se battent dans un cimetière. Pour reprendre une blague qui était déjà ringarde à l'époque où elle a été inventée. Le respect est mort. Ok, Voltali. Attendez, est-ce que c'est le Voltali user pour la quête pour les Volizélites? Non, je crois pas. Je crois qu'ils sont débloqués quand on parle au mec. Ah, c'était double pied, putain, je crois que c'était Vivatak au début. Ah oui, d'ailleurs, on a trouvé un Pokémon plus rapide que Crémeux. Ça se fait. Enfin, ça se fait, non, pas vraiment, mais... Croéclair. Ok, on se bat paralysé, on se bat finish, c'est cool. Et on termine. Non, on termine pas. Bon, j'ai rien dit. Allez, tête de fer, du coup, pour les pépés. Oh, le casse-couille, sérieux, je le mets dans le jaune. Avec un premier coup. Et après, oh non, lol, tu fais un roll bas. On va quand même pas se faire mettre en PLS par un petit Voltali là. Je suis désabusé, hein. Je voulais juste le dégommer vite fait bien fait, quoi. Bon, Inès est forte en défense. Allez, ça fait mal un coup critique quand on le prend dans la gueule, hein. Bye. Je sais, je sais. Et là, on prend Vivatak. Oh là là. Tout ça pour un vieux Voltali, quoi. Qui est même pas foutu de faire une attaque électrique. $4800. Bon, c'est toujours pas pour acheter la jupe. J'ai dit c'est toujours pas pour acheter la jupe. Il manque des mots dans mes phrases, mais c'est grave. C'est grave ce qui m'arrive. J'ai racheté des super potions. Profitons-en.
Oh là, la nuit potion ne suffirait pas. Allez, on laisse Patricia. Mais la madame, juste en haut aussi, elle va nous donner beaucoup de Pokédollars. Allez, on rencontre pas de Pokémon sauvage. Mais vas-y, mais le jeu, mais j'en ai marre. C'est toujours pareil, toujours le maximum de rencontres possibles dans les hautes herbes. C'est trop, trop chiant. Franchement, qu'ai-je fait pour mériter tout ceci? Bonjour madame, je viens voler votre argent. Quel Pokémon ornerait le mieux une tombe à votre avis? Quoi? Il y en a qui ont des délires chelous. Sayuri la mondaine. D'accord. Intéressant. Quoi faire elle? Je suis pas un peu obligé d'envoyer le BA pour faire le Z de combat là. Je crois. Ouais. De voir quelqu'un Z contre un dresseur random. Quand la tristesse n'a plus de limite. Oh, on prend un. Ok, c'est un coup critique. Il était puissant celui-là. Allez, Z casse-brique. Oh, il est plus rapide. Ah oui, non, regarde, touchant, c'est prioritaire. Oh non, regarde, il marre. Oh non, mais quoi faire elle, c'est le comble de l'ennui. Hein. À moins 1, on attaque. Comment ça se passe? Oh, il s'en bat les... Voilà. Oh, le coup critique, magnifique. Voilà, il venait de loin, celui-là. Parfait, le niveau 26. Ah, il est mérité. Pour Nick aussi. Non, mais en vrai, c'est trop bien que je gagne masse expérience. Parce que... ça change pas grand chose en combat. Et moi, ça, j'ai pas besoin de farm. J'ai toujours pas fait de farm hors vidéo. C'est quand même génial. Ouais, bon, je rappelle qu'on a moins 1 en attaque. Ah, mais on va pouvoir envoyer Patricia pour faire usage de tête de fer. Non, Béa, tu es toute confus. Reviens donc. Vas-y, Patricia, on compte sur toi. Négotage. D'accord, donc quand je disais que l'ennui n'avait pas de limite, je ne mentais pas. Ligotage hein, qui, comme à chaque fois, fait plus de dégâts à la fin du tour que sur l'attaque elle-même. Et tête de fer pour terminer, voilà. En vrai, le coup critique, il est arrivé vraiment à un moment parfait. Enfin, il aurait pu arriver sur l'attaque Z, certes. Là, j'en demande peut-être un petit peu beaucoup. La la la. Et encore 4800 Pokédollars. Ça y est, on peut s'acheter la jupe. Mais on n'a pas les chaussures qui vont avec. Parce que, à la base, je voulais plus un. Je voulais un look agricultrice. Puis au final, quand j'ai vu les vêtements qu'il avait acheté à Konikoni, je me suis dit, bon, peut-être un look old school. Mais très, très old. Hein. Donc j'ai changé d'avis. En vrai, là, ça passe, hein. Tel que c'est actuellement. On pourrait laisser comme ça, ça lui traite de dépenser bêtement, mais... enfin, bêtement. Oui, bêtement, mais... Attends, t'es sérieux, là? Les Migalos, défensivement, c'est zéro, hein. Je le sais, j'ai voulu le jouer en 2015. Vraiment. À la place de Golet. En me disant, il fait chier... il fait chier Cresselia avec Essaim Megacorn. Pour de vrai, hein, je l'ai vraiment envisagé de le jouer. Et au final, j'ai mis Ténéfix. Ouais, voilà. C'est une autre époque, c'est une autre époque. Hein. À droite, il y a quelque chose là? Ouais, il devait y avoir un objet. Ah merde, il faut faire un combat. Ouais, bah vas-y. Pas de soucis. Allez, un dialogue qui prend 8000 ans. Vous savez quoi? Je vais faire une petite sieste en attendant la fin du dialogue. Pour de vrai.
Oh, c'était trop court. En vrai, c'était trop court. J'aurais bien voulu que le dialogue dure 1 heure. Ou 5. Ratatac. En faible ball. Bon, je viens de bailler, je l'ai caché. Par politesse. Mais je vous le dis quand même. Allez, coup de boule. Le flinch, le flinch. Pas du tout. Le croc de tes morts, le coup critique. J'aime bien ce cri en mode j'ai souffert. Enfin, je n'apprécie pas la souffrance de Pokémon. Hein, mais... Machouille. Ok. J'avais peur un petit peu des dégâts vu ce qu'il a fait avant avec croc de mort. Mais mon croc de mort était critique quand même. Et c'est le chaos, magnifique. Et pour une fois, personne n'a monté de niveau sur, sur un chaos. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on met un Pokémon, il y a 3 Pokémon de l'équipe qui montent de niveau. Allez, maintenant laissez-moi tranquille. Je veux dire au revoir aux gens. Bon, au pire, je peux le faire pendant. Vous vous en foutez, dialogues. J'ai déjà fait le let's play où j'ai tout découvert. Qu'est-ce qu'on s'en balistique. Du coup, bien écoutez, cet épisode, c'était l'avant... Avant dernier de 2017 de cette égrémeux challenge. Bah oui, il y a un épisode par jour. Du coup, on se dit rendez-vous demain pour le prochain épisode. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cet épisode vous a plu. Vous êtes nouveau, cliquez sur s'abonner. C'est très gentil de votre part. N'hésitez pas, puis évidemment, il y a plein d'autres vidéos sur la chaîne. Je vous invite à aller voir ça. Du coup, je vous dis rendez-vous demain pour le prochain épisode. Salut tout le monde.